mes frères qui ont chanté. En tout cas, dites-nous comment on concert avec Kineli. Je ne parle pas lingala, je suis gabonaise. J'ai été très ravie parce que la Bible déclare que chanter, louer, c'est prier deux fois. Donc, j'étais vraiment très, très, très ravie parce que nous avons besoin de ces moments ici, amen, d'être en connexion avec Dieu par la louange et l'adoration. Je béni ma casse la présence de Frère Mike Alambay parce que nous avons porte Portland. À bénir biso makasi makasi vraiment to komi sinzambe pe to pambole makasi yango to pambole pe bana nyoso ya Portland pe to pambole bana nyoso mukili mobimba o ba kolanda concert o en tout cas nzambe azana bango si to pambole pe John Image o vraiment aye ko couvrir même une manifestation o nyoso eleki to pe sika nzambe merci vraiment to za vraiment béni. Bonsoir maman. Ok, dites-moi un peu un mot, juste un mot. Concert avec Kinengeni. Je suis venu à la place Nzamba Salaga, différence Salaga. Donc rien à dire. Talaga Yemogo, King of the King, Johnny Mash, donc Kitoko. Merci beaucoup. Je suis ravi de ma part de chanter avec un grand artiste comme le frère Mike Alambay. De ma part, je suis ravi. Je suis ravi, chanter avec toi, Maravilla, frère Mike Alambay. Grand star de notre pays, Congo. Je réponds au nom de Ousmane, donc Epaphras. Ok, bonsoir, bah Ousmane. Dites-nous un peu, concert par rapport à Bino Eleki Nengeni. Bon, concert Eleki, très bien. On a été bénis par la présence de l'homme de Dieu, Mike Alambay. Vraiment, à travers de la louange, l'adoration, nous avons été fortement bénis et Dieu a fait de grandes choses. C'était très, très bien. Vraiment, le peuple de Dieu a été béni. Nous avons pas la frère Mike, vraiment. C'était le pasteur Epaphras. Frère Amos Kazadi. Frère Amos Kazadi, dites-nous un peu, concert et l'équipe, Moni Batoubaye, Tokoumi Sinzambe, c'est l'on fou. C'est mon commentaire, Mouké. Vraiment, tu as sauté l'imakas, si pour vivre dans la Nzambe des années, c'est comme si tu as sauté la thé. La place Ndiabo, tu as sauté la Nzambe, Makasi. Concert et l'équipe, à l'âme, plein population, Batoubaye, Moussika, Boston, Livingston, Texas, pour la Kolandaga, Mike Alambay. Kasi nesika ona eta ya men men na ville ya Portland to sepeli makasi Mike Kambeza na malibosho te tokosenga pe ozonga lisusu pona États-Unis to nige eta ya men elamuka baye ba ke eta men pe ya il a aussi un mot à dire. Bonsoir papa. He knows my last name. Yeah. Okay, now please tell us something about the concert. Okay, first of all I want to thank you Johnny Marsh. You're doing great. That was amazing. And the concert was really good, as you've seen people coming. We had to face a lot of challenges, but as a matter of fact, we did great job to keep the concert going, and everything was perfect. We can acknowledge some of the issues that we had to work on, but we appreciate the fact that the people showed up on time and everything worked so smoothly, great. And thank you very much, Johnny Marsh. Johnny Marsh, you are the best. You are the man. You are the one that we need for the city of Portland. May God bless Johnny Marsh. May God bless Portland. May God bless Brother Kalambay. May God bless PFCC, Pastor Victor Lukusa, and Brother Alex. God bless you so much. Maravilla. Thank right? you. Yes, Maravilla. Maravilla. That's an amazing name. God bless you all. Thank you so much. Pour finir, nous avons aussi notre frère Alex. Il a aussi presté avec nous. Je l'aime beaucoup. Frère Alex. Ah, you see? Un mot. Yeah, on a été vraiment bénis. C'était un honneur de travailler avec le frère Mike Alambay, une grande star de la musique chrétienne, faut le reconnaître en tout cas. On a été réellement bénis, l'église du Congo, l'église du monde est bénie d'avoir un don comme le frère Mike Alambay. Nous continuerons à prier pour les personnes qui sont venues célébrer le Seigneur avec nous. C'était un réel plaisir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, voilà. Merveille. Ok, un mot, moi commentaire, comment concert et l'équipe Nengenini. C'est un frère Mike tout fait tout flamme, un frère Mike Alambay qui a restauré les vies ce soir, un frère Mike qui, au travers de la chanson qui est la parole de Dieu, a eu à réconforter le peuple de Dieu. Vous savez, on ne part pas dans la présence du Seigneur et rentrer tel qu'on était venu. J'ai vu ceux qui étaient venus, les visages renfrognés, rentrer avec sourire. Ceux qui ne pouvaient pas un tout peu esquisser un pas de danse, l'ont manifesté la joie de danser pour Dieu. En tout cas, c'était fantastique. J'ai vu que, en tout cas, il faut passer pour nous, les enfants de Dieu,
passer des moments comme ça, ce sont des moments de rafraîchissement, ce sont des moments de restauration, ce sont des moments de connexion avec le Seigneur et ce sont des moments qui nous permettent de revoir la face de Dieu parce que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, là où il y avait la maladie, il y a le pansement, il y a la cicatrice, on est en train de réparer. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, il est bon tout le temps. Agradez à Dieu, pour lui, ses concerts. Il faut un travail très merveilleux. Agradecemos à Dieu, pour que, commençant ce travail, até terminando, Dieu était avec nous. Et nous vivons la main de Dieu, comme que Dieu opérait dans notre milieu. Et il usou poderosamente son servo Michael. E ele estava no topo, with Espírito Santo, e estou muito alegre por isso, e estou a pedir que a Deus possa lhe dar mais sabedoria, inteligência, porque ele possa ir mais além para poder abençoar a vida de muita gente. Muito obrigada, que Deus abençoe. E todo o tempo... Pour le conseil, bonsoir, papa. Bonsoir. I would like to speak in English. Okay. This was a great time with a brother Mike Kalambai. And when I came at this place, I can feel the anointing of God. I was crying, praying, and saw people praying. This was a very good time, and we would like to have it another one. Next time when brother Mike Kalambai will come, we would like to be with him. The people of God have been blessed. We have been blessed, and we have seen the hand of God. May all the glory be to God. Nazapendana moa dipo nasepela rapenda na Mike makasi banzembu ne konsolaranga yango lelo na kimi musala na kai antuke leki kitoko makasi to sepel makasi vraiment mama kimi musala bona lokuma nzambe nzama Olivier bonsoir pasteur bonsoir mama coach vraiment merci dites nous un peu concert leki ndenge ni pour ce qu'il faut dire Dieu s'est glorifié. C'était toujours dans le micro de John Image. Nous irons toujours dans la profondeur de la Nzambe. La Bible dit Nenge kombo ya Yesu ko tombo ama mbenenge nenge to ko yeba lo lenge ni nzamba za nguya lo lenge ni na salaka et na Portland il y a plus rien à dire. Nous allons c'est un devoir pour nous de toujours organiser des choses à l'honneur de notre Christ et cela est komata pour l'équipe lelo. Que Dieu soit loué, merci pour son serviteur, l'évangéliste Mike Kalambai, qui a été vraiment un plus pour Portland. Et merci pour toi, coach, qui a fait un bon travail. Et si aujourd'hui, peut-être, Kerwan est-il, c'est grâce à toi. Vraiment, que Dieu te bénisse, qui t'ajoute encore, qui t'ajoute encore, qui t'ajoute. Et nous t'attendons encore. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johnny Mage is the king. God bless you. God bless everybody qui était ici. Les anglophones, les francophones, les lingalophones. Voilà. Zamba Pamolabino. Fidèles internautes. Vous tous qui êtes amateurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes de John Image Télévision, vous tous qui nous suivez aussi sur le site YouTube, le compte YouTube de Frère Mike Kalambai, pourquoi pas de Pasteur Victor Lukusa et tout le monde, bonsoir, merci de nous faire confiance. Nous sommes maintenant de retour. Aujourd'hui, c'est le dimanche 30 juillet 2017. Nous sommes à Portland, Maine, aux États-Unis d'Amérique. Nous venons déterminer le méga concert. Je peux l'appeler giga concert. Je peux l'appeler phénomène concert. Ça veut dire, ça a été grand. Et ça a vraiment édifié les gens. Tout le monde était tout feu, tout flamme. Et nous avons été édifiés par l'homme de Dieu. Mike, bonsoir. Bonsoir, papa Roger. Vous n'êtes pas fatigué? Non, ça va, même pas. Dieu fait grâce. Ok. Je vous vole un peu quelques temps. Je sais que vous êtes fatigué, même si pour l'œuvre de Dieu, vous semblez ne pas être fatigué. Vous avez presté aujourd'hui à Anna Ford Lecture Hall. Comment avez-vous trouvé la manifestation de ce soir? Oui, merci beaucoup. Mes impressions sont vraiment positives. Je bénis le Seigneur pour le déroulement de la dite manifestation. Merci pour tous les intervenants. Merci pour tout. Donc, pour toute personne qui a pu apporter de son soutien, qui a pu apporter un peu la main à la pâte pour que cette journée soit ce qu'elle a été aujourd'hui, j'ai dit grand merci. Mais surtout au Seigneur,
qui a couronné cette soirée de succès, surtout de réussite. Nous bénissons, voilà notre grande joie en tout cas. Nous bénissons Dieu, nous avons vu la joie qui était au menu, nous avons vu le peuple de Dieu manifester vraiment la satisfaction. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc ma plus grande prière était que nous soyons vraiment ce canal fiable par lequel le Seigneur pouvait passer pour faire du bien à tout ce grand peuple. Et nous avons vu le Seigneur le faire. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et vous avez fait pratiquement 2 semaines à Maine et finalement Maine est tombée. Je le dis comme cela, haut et fort. C'est une terre incognito, mais elle est tombée. Vous estimez que vous pouvez rassurer vos enfants de Maine, ici aux États-Unis, que prochainement, vous serez encore là pour les bénir parce que vous les avez laissés sur leur soif? Non, sincèrement, je ne... C'est vrai, quand je suis venu, je fais 2 semaines à Maine, c'est vrai. Mais je n'avais pas cette perception des choses, en fait. Quoi. Quand nous sommes allés à la salle, c'est vrai que je disais qu'elle est petite, mais à la fois je disais qu'elle est grande pour les États-Unis. Petite, mais à la fois grande pour les salles aux États-Unis. Donc, mais à un moment, j'étais comme dans différentes églises, tout ça. On a pu faire la grande des églises la première semaine quand je suis arrivé. Mais quand j'ai vu finalement cette salle, donc Archicombe, à un niveau, je me suis dit, mais toutes ces personnes, où étaient-ils? Donc, où étaient-elles? Donc, elles vivent à Maine, tous ces gens. Donc, je bénis le Seigneur, on a senti vraiment une forte participation. On a vu le Seigneur vraiment toucher les cœurs des personnes. J'ai entendu le pasteur Elijah dire qu'au début, ce n'était pas facile. C'était comme si on forçait la nature, on allait vraiment contre courant. Mais je bénis le Seigneur au regard de tout ce qui a été, tout ce qui s'est fait ce soir. Nous avons vraiment une grande raison pour nous de dire merci au Seigneur. Merci à Dieu pour la participation, merci au peuple de Maine. Ils nous ont prouvé en général, que ce soit ceux de Portland, de Lewiston, même ceux de Auburn, ils nous ont vraiment prouvé qu'ils nous ont porté à cœur. Je crois que cela, vice-versa, je le porte également dans mon cœur. Si jamais le Seigneur peut vouloir encore à ce que nous revenions à Maine, on reviendra avec beaucoup de plaisir. Et pour cela, je voudrais ici, avant de finir, dire grand merci au pasteur Victor Lukusa et toute l'équipe de PFC. Ici, d'abord, les couples Lukusa, je vois maman Karine Mwamboui à mon extrême gauche. Voilà ma maman de Portland. Et voilà, donc, merci beaucoup à ce couple qui nous a témoigné de sa générosité. Voilà, qui a cru en nous comme ça. Et voilà, je dis grand merci à l'équipe de PFCC. Mon Dieu, une équipe extraordinaire. Je dis merci au pasteur Elijah. Lui, je lui dis, il y a très moutonnant. Mais je n'oublierai pas cette dame de fer, maman Béatrice. Mais que dire de cette femme? Que Dieu bénisse cette équipe. Que dire de Julie? Que Dieu bénisse maman Julie. Merci à vous, papa, à Roger. Merci à John Image, derrière la caméra, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je dis merci au pasteur Olivier. Je dis merci à mon ami Guilain qui est là. Je dis merci à mon frère et ami, bienvenue. Je dis merci à Allégrie, à Mara, merci beaucoup. Stéphanie, toute l'équipe, Victor, Eric. Alex, je n'oublie pas, Mervedi, vraiment, ils ont été vraiment wonderful, que le Seigneur le bénisse tous. Je dis grand merci à ces grandes dames de cœur qui nous ont toujours accompagnés. Elles sont une grande bénédiction pour notre carrière. Je leur dois beaucoup de reconnaissance. Merci à maman Bijou Lekan qui est partie de Dallas au Texas pour être avec nous pendant pratiquement 2 semaines. Que dire de maman Espekini, ma maman chérie qui est partie de Boston jusqu'ici. Que Dieu bénisse tout le monde. Dans cette joie que vous lisez sur nous, parce que tout le monde y est sous Kosala, notre Pambolindambe. Nous avons été tout à l'heure vraiment face to face with Jesus. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais revenir à vous. À ma gauche, à ma droite, pardon, je suis avec l'homme cerveau moteur de la vision, le visionnaire, le pasteur Victor Petit mais costaud. Comme je peux ainsi le dire, pasteur Victor, après avoir passé autant de moments d'incertitude, est-ce que pasteur Victor, il peut se déclarer
la personne la plus comblée et la plus heureuse de ce soir. Merci beaucoup, Papa Roger. Je pense que, comme je le disais à la salle, la grande chose d'abord, c'est de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que c'est grâce à lui que tout cet événement s'est très, très bien passé. Nous avons la foi en Dieu. Il dit, la foi, c'est l'espérance de choses que nous espérons. C'est-à-dire que nous avions cru. Nous avons présenté des vases vides parce que nous avions la foi que le Seigneur allait les remplir. C'est ce que nous avons fait. C'est pour la première fois à Portland, Maine, que cet homme de Dieu arrive. C'est une grande star de la musique chrétienne au monde, au Congo. Elle est connue presque partout. Et le Seigneur a permis qu'elle vienne à Portland. Et on ne s'attendait pas, mais on croyait quand même que Dieu qui nous a donné la vision, il va donner la provision. Vous avez vu déjà avec la conférence à First Baptist Church, c'était déjà aussi un grand auditoire. Les samedis et les dimanches, le Seigneur a envoyé les gens de toutes parts pour venir célébrer le Seigneur. Et une semaine après, comme nous l'avions dit, que nous devions maintenant nous retrouver face à face avec le Seigneur. Comme je disais que c'est pour la première fois que le frère Mike Alambay arrive à Portland, Maine. C'est pour la première fois que nous organisons un concert avec un droit d'entrée. C'était pas facile. D'abord, même entre nous, l'équipe de PFCC, beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes. Pasteur, est-ce que ça va? Est-ce que beaucoup de doutes? Et comme beaucoup de gens doutent toujours des choses, nous, on est des violents. Nous croyons qu'avec Dieu, même ce qui ne s'est jamais fait, nous pouvons être le premier à les commencer avec le Seigneur. Alors, je crois que la grâce que Dieu a déposée sur son serviteur, le frère Mike Alambay, ça a marqué le cœur des gens. On a été bénis pour la première fois un concert payant. C'est vrai qu'il y a eu quelques billets VIP, des invitations VIP, mais vous avez vu que la salle Anna Ford Lecture Hall, avec 500 places assises, c'est vraiment une innovation. Nous ne voulons pas nous glorifier pour cela. Nous rendons gloire à l'Éternel qui l'a rendu possible. Mais c'est aussi grâce à cette onction particulière qu'il a déposée sur son serviteur, le frère Mike Alambay. Le peuple de Dieu de Portland a été visité. Et vous avez vu que même jusqu'à 22h, les gens ne voulaient pas partir. Ils étaient là motivés. Et je pense que même si nous disions que demain, on se retrouve encore à Anna Ford Lecture Hall, ils vont venir. Et c'est vraiment ça, mes sentiments sont des sentiments de joie, des grandes satisfactions, voulais-je dire. Et en un seul mot, j'ai dit gloire à Dieu qui a rendu ce qui était un rêve hier. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Face à face avec Jésus-Christ, nous l'avons vécu. Nous étions en face de lui. Comme la Bible dit que c'est lui qui s'approche de la présence du Seigneur, son visage rayonne de gloire. Vous pouvez voir que toutes nos mamans ici, les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont venus de Lewiston, d'Auburn, de Texas, de New York, tout le monde est béni. J'aimerais paraphraser Papa Mike pour remercier cette équipe formidable de Lewiston. Sincèrement, j'ai vu ces jeunes gens gaspiller leur carburant pour venir répéter, avant même que Papa Mike n'arrive à Portland. Elles étaient, je parle de l'équipe, totalement motivées, sans aucun frais, et se sont vraiment donné corps et âme pour que cet événement soit une réussite. Au nom de toute l'équipe IFCC, nous disons merci. Je ne peux pas citer tous les noms, mais vraiment, c'est formidable. Je le disais tantôt dans le Facebook Live à la sœur Maravilia. J'ai toujours des difficultés à prononcer ces noms-là, mais c'est une femme vraiment de fer. Elle était Mara. Tout le monde, Mervedi, le bien-aimé Allegria, au four au moulin, vraiment formidable. À toute l'équipe, Giscard, tous. Thank you, God bless you. C'est tout ce que je peux dire, sans oublier John Image. Merci beaucoup. Là, nous comprenons que, pasteur, vous avez un grand Dieu pour des grandes choses. Yes. Ce n'est pas un Dieu des choses inachevées. Vous avez commencé, il achève et il achèvera encore des très grandes choses. Je prends les directeurs, vous êtes visionnaire, mais c'est lui qui nous donnait les tonus, c'est lui qui nous amenait à tout le temps à faire ceci, vous devez respecter cela. C'est le pasteur Elijah. Éternel, parce que il a fait des choses que nous n'avions pas vraiment si concevoir de notre pensée. Moi, j'ai toujours dit que la gloire lui revienne, d'abord, premièrement. Lorsqu'on a commencé à raisonner sur cet événement, on a parlé ensemble, le pasteur Vicky, moi j'avais une certaine conviction que nous allons faire quelque chose selon la mesure que Dieu avait préparée pour son peuple. Et l'arrivée de l'homme de Dieu,
Papa Mike Kalamba était vraiment un grand tonniste, là nous devons le souligner. Et aussi, on a eu beaucoup plus à se concentrer sur ce travail. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de pouvoir mettre tous ces atouts ensemble. Bon, on s'est d'abord à s'unifier, être un peu unis, et on a eu à travailler. Et moi, je pense que les grands résultats du travail, c'est les grands résultats du succès, pardon, c'est le travail. Lorsque vous travaillez, vous vous concentrez sur la chose que vous voulez, ça, c'est vraiment une grande chose. Je tiens vraiment à remercier toute la communauté qui a soutenu, la communauté des différentes nations réunies ici à Maine. Et ils ont montré vraiment cette grande enthousiasme-là, l'enthousiasme de pouvoir répondre à cette invitation. Et aussi, je dois souligner une chose que avec l'aide du pasteur Victor qui s'est beaucoup aussi investi à travers toutes ces choses ici, il y a des choses que nous ne pouvons pas voiler, mais ça a été une grande chose. Et puis Maman Béa qui est aussi à mes côtés, je souligne aussi la présence de Maman Julia et aussi l'équipe qui a soutenu Papa Mike à travers toutes ces choses. Il y a des gens qui sont beaucoup investis, c'était une grande chose. J'aimerais tout simplement lancer ce message aussi à la communauté qui nous suit, à nos frères et sœurs, que tu sois congolais, américain ou burundais, n'importe qui. C'est vraiment un temps qui est précieux pour nous de pouvoir nous mettre ensemble, travailler pour le royaume des cieux. Moi, je pense que c'est ce que Dieu est en train d'amener dans la vie de Portland. Je vraiment remercie encore la présence de papa. Moi, je sais que je vais lui manquer beaucoup. Hein? On a eu à faire le number 5 McDonald's. Mais je sais que à chaque fois lorsque je passerai à McDo, c'est papa Mike. Donc, number 1 toujours. Donc, c'était très bien. Oh, ouais, voilà. Et encore des strawberry checks. Donc, c'était vraiment des temps formidables que j'ai à passer avec lui. Ce que j'ai appris, ce que je voulais souligner, ce que j'ai appris de papa Mike Kalambay, c'est une personne qui a la passion des gens et puis il a le signe de l'humilité. C'est ce que là où Dieu élève les gens, quoi, avec le cœur qu'il a, c'est une très bonne chose. Et aussi, je souligne aussi dire merci à pasteur Victor Lukusa. On a eu à travailler ce projet et il m'a vraiment beaucoup plus fait voir cette grandeur de la chose. Et j'aime son esprit. Il a un esprit de collaboration, un esprit de compréhension. Et voilà, c'est pour le nom de Dieu. Il est ouvert, il est vraiment trop diligent. Il est bosseur, il aime l'excellence. Et voilà que nous aussi, comme nous avons la même conception de l'excellence, on a pu faire quelque chose de bien. Et surtout les gens comme Maman Béa qui nous encourageaient. C'est un travail qui n'est pas facile, mais ça demande beaucoup de concentration, d'effort. Et je lui avais promis dès le premier débit que si nous disons oui dès le débit, nous allons l'arriver. Et nous sommes là, nous sommes arrivés. Je pense que vous m'avez posé une question à la salle. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que nous envisageons? Est-ce qu'on va voir un duo Mike Kalamba et Moïse Mbillé? Est-ce qu'on va voir un duo Mike Kalamba et Mark Floor? Vous m'avez posé toutes ces questions. J'aimerais répondre au haut de ce micro disant que ça c'est stratégique, c'est secret. On les garde d'abord, d'ici là on va y travailler. Et l'année prochaine ça sera encore amazing. Encore un grand merci à John Image. Je suis très content de voir cet homme ici qui fait un bon travail, la réputation. Et je prierai que Dieu puisse garder encore les dons qu'il a donné à Dieu Image. Que Dieu vous bénisse. Il est John, il est Image, lui-même c'est la visibilité. Vous comprenez que c'est toujours l'excellence. Oh, nous prenons la dame de l'excellence. La dame du fin. Hein? Voilà. Margaret de Lewiston, de Portland, de Auburn, des États-Unis. Béatrice, dites-moi un peu, vous avez beaucoup crié aujourd'hui. Vous pensez que vous avez été à la hauteur? Comment vous évaluez l'action que vous avez entreprise? Comment vous la trouvez et comment vous avez jugé la chose? Merci beaucoup, Papa Roger. Merci de m'avoir donné cette opportunité du haut de ce micro de m'exprimer. D'abord, j'aimerais bénir Dieu pour ce temps merveilleux et formidable qu'il a permis que nous puissions passer dans sa présence. Et j'aimerais aussi remercier le président, le leader, le visionnaire de PFCC, parce que si Dieu nous a mis ensemble, ce n'est pas un hasard. Nous bénissons cet homme très humble, simple, bosseur, comme l'a dit le président et pasteur Elijah. Alors, c'était pas facile pour y arriver. Mais ce que nous avons vu ce soir et nous
confirmant que c'est la main de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Mmh. Et nous avons vu la manifestation de Dieu dans cette salle. La ville de Portland était mobilisée. Amen. Nos frères et sœurs de Lewiston que nous saluons, nous bénissons parce qu'ils étaient avec nous. On a fait un travail d'équipe. Il y a eu des gens qui sont venus de New York, de Boston, où nous avons Maman SP, Texas, Maman Bijou. Il y a eu des appels, des gens qui voulaient même acheter des billets online. Mmh. Alors, c'était un wow. Mmh. Les mots nous manqueraient. On va passer des heures et des heures à exprimer nos impressions. C'est vrai, la semaine passée, nous avons eu les deux journées de conférence, le 22 et le 23. PFCC a organisé cela, mais aussi l'arrivée de l'homme de Dieu, le frère Mike, que j'appelle aussi Fire, même si il m'appelle Fire, mais c'est un homme que j'ai aussi découvert. Et nous bénissons Papa Mike, nous bénissons le travail qu'il fait, nous bénissons Dieu parce que les dons qu'il a déposés en cet homme aujourd'hui, tout le monde peut accepter et s'accorder avec moi que c'est un homme béni, talentueux, il chante dans plusieurs langues, il prêche la parole de Dieu, il a un cœur qui brûle pour les choses de Dieu. Alors la ville de Portland a été bénie, les gens de Lewiston, de partout, et nous avons aussi toute l'équipe qui était là, Media, John Image, que nous saluons, nous bénissons aussi, et nous avons d'autres personnes qui nous ont aussi aidés financièrement, physiquement, pour nous accompagner dans cette œuvre. Alors Papa Roger, les mots nous manquent pour dire grand merci à toute l'équipe de PFCC, aux gens qui nous ont soutenus, Mont Hermon, tous les serviteurs de Dieu de Portland, Lewiston, des villes environnantes, à John Image, aux interprètes. Alors les noms, on a beaucoup de noms, et surtout à Maman Julia, que Dieu te bénisse, Maman Karine, où nous avons travaillé, préparé. Alors je ne sais pas Papa Roger, tout ce qu'on peut dire c'est que Dieu était au rendez-vous. Et l'adoration, c'était autour de Jésus-Christ, comme nous l'avons dénommé, face to face with Jesus Christ. Alors, nous osons croire que les éditions vont venir, Dieu va encore nous et Portland sera en feu. Amen. Il a déjà peut-être parachevé Maman Béatrice. Nous profitons de l'occasion pour annoncer à tous qui nous regardent que déjà PFCC 2018, nous passons de 2 jours à 3 jours. Donc ça sera terrible, ça ne sera pas 2 jours comme nous l'avions fait les éditions précédentes. Nous ferons vendredi, samedi, dimanche et ça sera formidable. Dans les jours à venir, vous aurez tous les détails et toutes les précisions pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse vraiment. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons atterrir petit à petit. Mais avant d'atterrir, je reviens à l'homme qui nous a vraiment égayé ce soir. Frère Mike, vous voyez que ça, c'est le monde anglophone. Et je vous ai quand même senti chanter vraiment en anglais parce qu'il y avait une forte représentativité anglo-saxonne. Frère Mike, vous trouvez déjà que c'est vraiment une ouverture vers le monde occidental, et vers le monde anglo-saxon. Vous pensez qu'avec vous, vous pouvez aussi orienter votre carrière musicale vers ce qu'on appelle world music? Oui, merci beaucoup. Je crois que nous y travaillons et nous continuerons à y travailler davantage pour arriver quand même à pouvoir communier avec nos frères vivant dans le monde anglophone en général. Donc c'est notre grand souci. Je crois que ça nous demande carrément un moment de concentration, travailler beaucoup, perfectionner la langue. Parce que c'est ça le plus grand problème. Je crois que par la grâce du Seigneur, on y arrivera en tout cas. Je crois qu'une fois la langue maîtrisée, donc j'ai plusieurs coachs ici déjà. Il y en a plusieurs qui me disent, c'est bon, déjà c'est bon. Alors que moi, je voudrais vraiment que ce soit très bon, en fait. Je crois que par la grâce du Seigneur, on a pu quand même mettre la plupart des personnes qui étaient là venues à l'aise. Dans le sens où on pouvait quand même s'ouvrir aussi, chanter en anglais pour une bonne audition de leur part, mais aussi ça nous a permis de communier avec eux. C'est ce qui a occasionné d'ailleurs la présence de plusieurs personnes comme ça. Donc nous croyons que prochainement nous y travaillerons encore davantage. Ce sont de plus grands soucis parce qu'à un moment on se dit, dans notre monde francophone, on n'a vraiment pas beaucoup de trucs à prouver. Mais je crois qu'il est temps que nous puissions nous ouvrir aussi à d'autres horizons.
Merci beaucoup, frère Mike. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci, papa Roger. Merci au pasteur Victor Lukusa. Merci à toute l'équipe du PFCC. Merci à mon frère Dido qui a été avec nous. Merci encore une fois à l'équipe qui nous a accompagnés de Lille, donc qui nous a accompagnés ce soir. Ils n'étaient pas là quand on a fait mention à eux, alors qu'ils sont là. Merci beaucoup à mon frère Allegri. Oh, lui, c'est depuis des années. Donc, que Dieu le bénisse. Il a été pour beaucoup en tout cas. Donc, que Dieu bénisse toute l'équipe qui nous a accompagnés. Mon frère Alex, toi, tu as une bénédiction. Victor, sois béni. Eric, Guylain, tout le monde. Je crois que cette équipe reste une équipe de base en tout cas. Je n'oublie pas Giscard. On changera, on ne pourra pas changer cette équipe qui a gagné. Elle reste pour nous une équipe de base. Toutefois que nous reviendrons. Voilà notre équipe de base. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci. Saint frère Mike qui promet peut-être que prochainement il va sortir ses chansons. Pourquoi pas 5 chansons en anglais? Il a déjà chanté. Jesus, go forward. C'est pour number one. C'est pour dire que non. C'est très important. C'est une question aussi de s'ouvrir au monde. Fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. Merci parce que vous avez été avec nous. Merci de l'attention soutenue. Chaque fois que vous avez, vous voulez vous abreuver, vous voulez avoir puisé l'eau à la source, l'eau de la vie, ressourcez-vous aussi auprès de la chanson religieuse de frère Mike et pourquoi pas des autres musiciens chrétiens, mais surtout frère Mike parce qu'il est venu vers chez vous, il vous a réconforté ce soir. Que Dieu vous bénisse. Mon petit mot, vous voulez en... Bah avant de faire un petit mot, j'ai un petit mot que je dois faire. C'est un petit mot que le pasteur Victor le connaît, mais on va le faire ensemble avec tous les bien-aimés qui nous ont aidés. Ça sera très gentil. Nayebi yozali inkolo, elikia yabasa tunyoso, gloria bamoina. Kuzinanda nayebi. Nayebi yozali inkolo. Elikia ya basantu nyoso Tanga motemo yo Motema epona seyo Yokolo Yokolo ya bomoi nanga Zambe nanga Esala kangai Pasina motema Nekulusu Kome maki yango Yesu mwana zambe Ikola na mosisa, oyo nyoso, elelisa kangai, zala papa, nazala mwana, mwana na yo, ulu na yo, ebo manga. We really thank you for your support. We really thank you for your help. And this is the beginning of everything. The Bible says better is the end of the beginning. We believe that God is going to be moving with us. So next edition, PFCC, we're moving from 2 to 3 days. And you never know that something God has in store for you. I want to encourage you very much for your support. And I want to